Information, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, internautes. Gain un pays Ukraine, gain un pays la Russie, tension a monté bien haut. La même pays Ukraine, lancé une série attaque drone sous territoire pays. La Russie, nan pati nord-ouest, la Russie, gagnant aérodrome qui touchait. Et dans la région Bryansk, gagnant plusieurs détonations que population t'avait attendu. Non! Pays Ukraine, dans la région Donetsk, la Russie éliminé un train militaire qui était porté munitions pour l'armée pays Ukraine. Yon gros confusion éclatée entre pape François et autorité ukrainienne après une déclaration que pape François fait, li qualifié jeunesse russien comme un peuple de grande humanité. Autorité ukrainienne yon fâché à cause déclaration ça que pape François fait, que yon même yon qualifié comme une propagande impérialiste. Nous prenons plus de détails en dans vidéo ça. Ma prapple ou sous un immigrant, pesez bouton like là pour capable encourager travail là si vous pouvez faire ça. Pesez bouton abonné à une façon pour capable connecter ensemble avec nous. Yon attaque drone l'armée pays Ukraine sous territoire pays la Russie a frappé yon aéroport dans ville Pskov, yon aérodrome qui retrouvé li tout près frontière la Russie et pays Lettonie. Aérodrome s'il a passé en bas ou l'eau pays Ukraine gagne un dégât considérable. Selon agence presse russe l'Antas, il a dévoilé gagne 4 avions cargo militaires II-76 qui t'ava touché, qui endommagé dans un bilan partiel, mesdames, messieurs. Et selon gouverneur région 1, Mikhail Vedernikov, il déclaré aéroport à gagnent attaque drone que ministère défense la Russie a tapé repoussé jusqu'à date pas gagné aucun monde qui blessé pas gagné aucun monde tout qui t'avait victime dans attaque drone ça mais appareil militaire victime dans attaque si là yon attaque drone nous capable dit qui réussit pour la même pays que non c'est pas première fois yon visé aérodrome ça mais c'est première fois li gagné yon dégât considérable la dani dans yon attaque drone. Mesdames, messieurs, gens que nous constaté li depuis plusieurs temps Ukraine li a frappé en profondeur. Et c'est ça qui guère, j'en peux t'expliquer li déjà, la Russie face Occident collectif, c'est pas un jouet, plus passé un an, très bientôt nous capables de nous pral courir sous deux l'année, la Russie campé, mais l'important tout, Ukraine pas beaucoup de parler pour le mener guerre à la Russie, peut-être qui capable de changer totalement profil guerre, qu'on tout qui capable aboutir avec fin guerre. Eh bien, c'est comme ça, une attaque drone sous pays, la Russie arrivé endommagé 4 avions dans un aérodrome dans Pskov. Mesdames, messieurs, il y a une région Bryansk que l'Ukraine t'a frappé tout avec drone. Je n'ai pas un bilan sur la quantité de drones que l'Ukraine lancé sous la Russie. Selon moi-même, il a frappé Belgorod, il a frappé Bryansk, il a frappé Pskov. Je suis certain, les plus passé 5 drones et c'est une quantité qui est capable d'aller probablement dans 10 drones. Nous capable dit c'est bagaille sérieux que l'Ukraine a réglé en dans pays la Russie. Mesdames, messieurs, en nous quitter parti ça. La même pays la Russie en pas beaucoup de parler éliminé yon train militaire en dans région Donetsk qui te poté munitions pour soldats pays ukrainiens gens qui sont capables garder sous écran là. Il y a une vidéo que ministère défense pays la Russie a publié, yo arrivé neutraliser yon wagon que yo même yo fait connait qui te poté munitions pour artillerie pays ukrainien. Et gagné plus passé 10 pièces matérielles la mes pays que nan qui t'ava arrivé éliminé dans cadre de destruction wagon si là mesdames messieurs gens qui capable assister sous écran lancé en dans Donetsk. On quitte parti guerre gagne un problème sérieux entre pays Ukraine et pape François. Et nous connaît pape François c'est numéro 1 l'église catholique dans monde là qui responsable Vatican. À cause d'une déclaration que pape François fait, autorité ukrainienne fâchée. Vendredi passé, dans le cadre de journée jeunesse russe, pape François t'a adressé li dans l'église catholique dans le pays la Russie avec un groupe jeune. Mais qui déclaration pape François t'a fait? Vous êtes les enfants de la grande Russie, des grands saints, des rois, de Pierre le Grand, de Catherine II, d'un peuple russe de grande culture et de grande humanité. N'oubliez jamais ce grand héritage. Vous êtes les héritiers
de la grande mer Russie. Aller de l'avant avec cela. Déclaration ça, autorité ukrainienne au fâché pour lui. Porte-parole ministère des Affaires étrangères pays Ukraine n'a pas beaucoup de parlé, mais qui ça lui dit? C'est avec ce genre de propagande impérialiste, à l'appui de piliers spirituels et au nom de la nécessité de sauver la grande mère Russie, que le Kremlin justifie le meurtre de milliers d'Ukrainiens et la destruction de centaines de villes et de villages ukrainiens. Mesdames, Messieurs, Oleg Nikolenko, li totalement voye papla de yon nou kapab di. Nan deklarasyon papla, papla te vle adrese yon mesaj de paix, san ke li pa vle froisse personne, parce que li même la jere zafè l'église, li pa jere zafè gè. Yon remarque important nou dwe fè sou problème sa, ki si yon problème ki touche en pile l'humanité, c'est ça papla di. Li di que yo se petit la grande Russie. Est-ce que yo pa petit la grande Russie vrai? Oui, c'est ça que li. Yo se petit yon grand héritage. Yo te gagné parmi yo des grands rois, des grands saints comme Pierre le Grand, comme Catherine II. Yon peuple riche qui gagné yon grande culture et yon grande humanité. Et pape l'a rappelé avec jeunesse là tout pour que li pa jamais oublier héritage ça que lui-même li gagné. Nos affaires religion, mesdames messieurs, za fait confession foi son bagage qui vraiment fragile, n'pas tellement aimé commenter li parce que nous toutes nous comprenons réalité à différent. Et il craint tout, une remarque que n'est capable faire, moi t'ai partagé plusieurs contenus sur ça. L'église orthodoxe dans pays Ukraine, Zelensky persécuté en pile à cause de guerre dans pays la Russie, tout profiter fermé en pile l'église persécuté en pile chrétien. C'est pas parce que pape l'a fait déclaration seulement que ukrainien y a un problème. Zelensky même. Zelensky li a mené une bataille même contre l'église orthodoxe à la Kaili. Et déclaration pape là, li vient rentrer dans même lutte que lui-même li gagné la Kaili l'a mené. Parce que li choisi par beaucoup de pas le retirer. Yon passé culturel, li voulait retirer des liens historiques que li gagné, que Ukraine gagné avec la Russie. Lorsque yo wè que pape l'a fait une déclaration comme ça, eh bien, m'pense, li just frase yo parce que yo pas content. Mais en réalité, c'est pas parce que déclaration pape la te dwe frase yo. Mais yo just pas content parce que pape la pa fon une déclaration qui allait dans lutte que yo même y a mené contre l'église orthodoxe, contre chrétien orthodoxe yo et contre chrétien russe yo tout. M'pense, c'est ça qui frase autorité ukrainienne. Forme de revendication ça que ukrainienne yo fait ya. Monsieur, c'est un pile haïtien qu'on fait tout, un pile dans nous qu'on fait. C'est tout pour ça qui gagne rapport avec religion, l'église, tout ça. Mais en réalité, ça c'est un problème jugé qui personnel avec Ukraine immédiatement ou pas pour Ukraine, et bien c'est comme ça réalité aille. Immédiatement tout à fond déclaration qui puisse aller en faveur l'autre camp, et bien Ukraine li a réagi, c'est une phase que nous jugeons tout qui gagne dans conflit. Et bien c'est comme ça, y a une grosse confusion éclatée entre pape là et autorité ukrainienne à cause d'une déclaration qu'il était fait avec un groupe jeune dans le pays la Russie qui t'a célébré journée de la jeunesse russe vendredi passé. M'a invité à rester connecté avec les immigrants pour continuer à informer. N'a pas le concert pour une autre sortie.